Ok, salut les copains, bon, là j'ai pas eu le temps de mettre l'intro, mais ce soir, aujourd'hui, c'est un petit rediff de mes meilleurs moments de la journée de dimanche. Donc voilà, aujourd'hui c'est spécialement, bon, comme toute la semaine, hein, c'est spécialement conçu pour se farcir du Safi Jiva. Donc comme vous le savez, le Safi Jiva a une particularité, c'est qu'il donne pas mal de bonnes armes. Il est vachement performant sur la... Elle commence à absorber d'énergie. Sur la façon d'améliorer les armes, on peut dire qu'on peut faire pas mal de stuff avec ça. Donc je trouve ça intéressant. Donc là, j'ai décidé d'y aller en Voltwash. Ouais, ça va faire la carte de que je vais en Volto, donc soyez indulgents. Et n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu de vous avoir vu cette petite vidéo. Allez. Hop, on commence déjà. On va essayer de la finir. Je suis un double là, mais j'ai pas compris qu'il fallait péter ses armes.
arriver ici. Et voilà, fais dodo. Il faut détruire les différentes parties de son corps. Pour la deuxième phase, on va dans le baba. Attention.
pas quand même, les saloperies là. Je suis en train d'enregistrer une vidéo.
barre, mais c'est trop tard. Qui est décédé. Oh, reste avec nous, parmi nous, reviens. Mais non, il ne reviendra pas. Bon, comme maintenant, je vais aller voir à peu près comment je peux faire pour augmenter le taux. Enfin, plutôt, on va voir l'équipement. Donc on va aller à la forge, direction la forge. Bon, ce qu'il nous propose au niveau de la forge, si je peux par exemple, on va dire, crafter, si j'ai déjà une, je crois que j'ai une Volto H en mode dragon. Je vais voir si je peux crafter, enfin l'améliorer surtout. Alors, ah voilà, foudre, glace. J'ai pas de dragon. Foot glace, sommeil, paralysie. Celle-là, par contre, la crossafi paralysie, je crois que je vais l'augmenter parce qu'elle pourrait me permettre. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est pas encore éveillée? Celle-là, elle est éveillée. Celle-là, elle est éveillée. Hugo? Maman est occupée, tu vois pas? Excusez-moi les amis. Alors. À l'Atréon, je peux former. Ah, j'ai pourfendeur de dragon, ça peut être utile. Machine de guerre, fuite de vie, vengeance, vengeance, maître d'armes. Bon. Alors, ça fige, là. Qu'est-ce qu'il me propose? Ah ouais, totem élémentaire, berserker. Ouais, il n'y a pas spécialement quelque chose d'intéressant. Bon. Alors, on va voir les armures spéciales, ce que je pourrais faire. Ouais, des armures spéciales, je peux pas trop en faire pour l'instant sur Atalos, mais bon, c'est pas terrible. En expert. Ah, Xenogiva. Ouais, mais non. Voilà, Zach. Attends, et si par exemple je mettais des crèves comme ça? Ah, c'est stylé comme ça. Ah, c'est stylé. Mais non, parce que celle que je veux... Oh, les jambes du nerf giganté, j'adore. J'adore le skill que j'ai fait. Je trouve que c'est stylé. Bon. Bon, du coup, je vais peut-être repartir. Alors ça, on va mettre ça là, tac tac tac, donc du coup maintenant on va passer, ah oui, équipement, je vais faire sauvegarder Volto. Alors je me demande, Marfo, elle est à 1068 et la Volto, ah oui mais non. Faudrait que j'arrive à looter une Volto Dragon.
Salut toi. Donc, est-ce qu'il y a encore une train qui est disponible? Ah putain, ils sont déjà 4. On va chercher une autre session. De quoi? Je sais pas où est ton téléphone. Quand tu vois que je suis occupé. Excusez-moi, le petit me demande un truc. Ton téléphone, je sais pas où il est. Bon, bien sûr, ça plante. Donc ça veut dire forcément que je vais être rebooté vers ma session actuelle. Super. Comment perdre du temps avant de pouvoir farmer un truc? Ah bah oui, et bien sûr, code erreur. Allez, vous passez en mode en ligne. Bon, bah du coup, je vais encore changer de partie. Allez, hop, on va aller à celle-là. On va voir ce que ça dit. Oh là, ça met du temps. Donc ça veut forcément dire que je vais être reboot. C'est cool. J'adore. Je perds mon temps à attendre. Punaise. Et bien sûr, ça met 107 ans à vouloir accepter les trucs. Ouais, j'adore. Pourtant, je suis en fibre. Hein. Allez, hop. On refait une recherche perso, confirmé. Ok. Donc là, on va aller là où ils sont 13. Oh, ça va me faire péter les plombs. Ça va me faire péter les plombs. Est-ce que je suis bien là? Non, j'ai pas de soucis. Donc faut m'expliquer pourquoi ça, pourquoi je peux pas. Ok, bon. Ah bah oui. Bienvenue. Super. Bon, on sauvegarde déjà. Bon, tu vas commencer à me casser les couilles. Ça va vraiment me faire péter les plombs là. Ah là là. Attendez, je coupe vite fait le micro les gars. Voilà, après maintes et maintes essais pour me connecter à une session de Safi Jiva, je viens enfin d'en trouver une. Youpi! Allez hop, c'est parti, on va voir s'il y a une track déjà disponible. Alors, rejoindre une track. Eh non, ils sont 4. Eh oui, ça aurait été magnifique. Bon, bah, on va lancer une. On va voir ce que c'est. C'est quoi les reconnaissances? Je connais pas les reconnaissances. Bon, on va lancer une track, on va voir si je suis rejoint.
Bon, si ça me saoule trop, qu'il n'y a personne qui rejoint ma track, parce que là, je suis un coin liquide. Ouais, il y a Fiction 4, Affinité 2, Fiction 3, Tank 3, Tank 2. Ouais, c'est pas encore assez bon. Qui rejoindra. Bienvenue. Bon, on va essayer de chercher une autre session. Alors, session en ligne. Allez, on va voir si celle-là ça fonctionne. Allez, on croise les doigts. Oh, ça fonctionne. Ok, maintenant, oh, il y a du monde ici. Il y a une quête du Safi Jiva qui a enclenché. Donc feu patate, on va aller voir la quête du Safi Jiva de suite. Traquer, rejoindre. Oui, yes. Voilà, commander un point. Et je peux utiliser gardien. Est-ce qu'il y a un assureur? Assureur. Allez, un boxeur de PCM, un six biologiste, cavalier vaillant, forgeron. La carte, boxeur de livre. Bon, bah, on prend juste gardien. Là. Ok, je suis prêt. Et on attend que les autres rejoignent. Allez, c'est parti, on commence à 3. Il y aura peut-être un 4ème gars qui viendra. Donc voilà, maintenant on va tenter de repasser le Safi Jiva, essayer de le battre pour une fois pour avoir un meilleur taux de loot. Bien sûr. On prend des pierres. Sois prudent. Une ténacité, une graine de force, un champi vénéneux. C'est bon, on y va. Lorsque cette chose s'épuise, elle commence à absorber de l'énergie. Ensuite, elle se dirige vers le niveau inférieur. C'est le moment d'attaquer. Utilisez l'environnement pour la blesser. Thank you.
Ok, on baisse bien les parties.
faut détruire les différentes parties de son corps. Bon ben voilà, c'était un échec encore une fois. Je sais pas ce qui s'est passé, les mecs ils sont tous morts. Bon bah ben, ça va être compliqué ce soir, cet après-midi de réussir une traque du Safi Jiva parce que là, oh là 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 là, pas compliqué. Bon, allez, on y retourne.
Notre objectif est de tuer la bête. Surtout, ne la perdez pas de vue. Sois prudent! Thank you.
Accrochez-vous au Drakele. Tous vers l'ouverture. Génial, les gars. Continuez. Sûrement les équipes de nous protéger.
Et voilà, c'est encore un cuisant échec pour moi. Décidément, aujourd'hui, je vais avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à finir cette track du Safijiva. Quoique, après, apparemment, il me donne des carapaces, des cerfs, des éclats de Dracolux, des éclats Safijiva, sphère d'armure dense, éclats. Ouais. Ouais, c'est pas mal, j'ai au moins des ressources. Ah, j'ai obtenu un potentiel d'éveil. Bon, bah, on va aller voir. On va aller voir le pourquoi du comment. Alors, hop, on relance une petite quête du Safi. On va voir si la traque elle est bonne. Bon. Bon, là, je pense que ça devrait le faire. Dominateur d'Athéon, domination. Allez. On y retourne. Surtout, ne la perdez pas de vue. Sois prudent! Allez, tout le monde! Dirigez-vous vers les perchoirs! Thank you.
Là, c'est parfait. On a mis moins de 1 minute pour le faire passer à la deuxième phase. Si on continue comme ça, on devrait pouvoir réussir à le faire passer en troisième phase assez rapidement, ce qui nous donnerait pas mal de latence afin d'obtenir la mort de Safi Jibin et avoir tout le matos qui va bien. Ok, 5 minutes pour le mettre au deuxième niveau, au troisième niveau. Il nous reste 15 minutes, un quart d'heure pour le tuer. Bon, je pense que ce coup-ci, je vais enfin réussir ma traque aujourd'hui. Après, bon, bah, on verra ce que je vais monter comme équipement. Allez, on y retourne.
Et voilà, échec mission. Je suis mort comme un abruti. J'ai même pas eu le temps de me relever. Donc bon, bah là, voilà, c'était ma dernière quête du Safi. Maintenant, bon, on va couper la vidéo. Donc là, je récupère vite fait mes récompenses et on va voir ce que je vais looter. Ah, ouais, qualité de récompense niveau 13. Bon, on va voir ce qui se passe. Allez, on se retrouve. Tu veux fabriquer quelque chose ? Ok, voilà, bon, mais c'était pour le track du Safi, j'y vais aujourd'hui, que je n'ai pas tombé. Bon, bah là, je vais y mettre en ligne cette petite vidéo. Merci de lâcher les pouces bleus et de me soutenir dans mon travail. En tout cas, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous, les amis. Et on se dit à une prochaine. Allez, ciao.